Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishvat Amram Yonah ben Chana Pegi bat Esther Nissim ben Ahouda et aussi l'Irfouat Rout bat Claudine Traina betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah conducteur 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Eduyot, Perikret Mishnah Gimel. Heid Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera al Almanat Issa שהקשרה לכהונה, שהעיסה קשרה לטמא ולטהר, לרחק ולקרב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, הוא יונה קידיס כפודיר, אמר רבן גמליאל, זה פלילוג'יק, תוסעות יום טוב, אקספיקסה. אמר רבן גמליאל, קיבלנו עדותכם, אבל מה נעשה שגזר רבי יוחנן בן זכאי שלא להושיב בת דינים על כך? הכהנים שומעים לכם לרחק, אבל לא לקרב. On va lire et traduire de manière grossière toute la Mishnah, puis après on va expliquer un petit peu mieux. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir une première allure de toute la Mishnah, puisque des éléments essentiels s'expliciteront dans la fin de la Mishnah. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné Al Almanat Issa Sheikshera la Keuna. Une veuve pâte. Une Issa, c'est une pâte, une pétrie. Une veuve pétrie, une veuve dans le pétrin plutôt. Une veuve sur laquelle il y a beaucoup de sfekot. Est-ce qu'elle est kshera la keuna? Est-ce qu'elle peut se marier avec un kohen ou non? On va avancer à la Mishnah, on expliquera ensuite. Sheik kshera la keuna. Ils ont témoigné sur une telle veuve sur laquelle il y a plusieurs sfekot sur sa kashrut. Est-ce qu'elle est valide, apte à se marier avec un kohen ou non? Il y a plusieurs sfekot sur elle. Et ils ont témoigné, ben, puisqu'il y a plein de safek, dans le doute, tu la laisses kshera, elle peut se marier avec la keuna. Sheik aïssa, car une telle femme pâte, pétrie, femme dans le pétrin. Kshera, l'étamé, elle est apte. L'étamé, ou une telle famille plutôt, qui a un tel problème de cacheroute sur elle, eh ben elle est entièrement, pleinement, kshera, apte à l'étamé ou l'étaer, à rendre pur ou impurifié les autres familles, les rachek ou les karev rapprochés ou éloignés. Soit, succinctement pour le moment, on a une femme qui a eu un problème sur sa cacheroute, est-ce qu'il y a eu peut-être un halal qui s'est marié avec elle, qui a eu un rapport avec elle, donc elle est devenue inapte à se marier avec la Keuna. Il y a plusieurs sfekot dans cette famille, comme on va expliquer ensuite à partir du Bartanora, Bezat Hashem. Et donc maintenant, la question de savoir, est-ce que ces enfants peuvent se marier avec des Kohanim ou non? Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec, par exemple, une halala. Si un Kohen se marie avec une femme divorcée, ou bien une femme qui a eu un rapport avec dans sa jeunesse, qui a eu un rapport avec un goy. Elle est devenue maintenant, elle a pris un statut de zona, et si un Kohen va se marier avec elle et va avoir un enfant, l'enfant qui va naître de cette union sera un halal. Il sera inapte à devenir un Kohen. Donc pour les Kohanim, ils ont des halakhot bien strictes avec qui sur le choix des femmes. En l'occurrence, ils ne peuvent pas se marier. Par exemple, un Kohen ne peut pas, a priori, se marier avec une Gioret, avec une convertie, parce qu'elle a peut-être eu un rapport, en étant goy, avec un goy, donc elle est devenue inapte. Il y a plusieurs à la frotte comme ça, d'accord? Donc, pour les Kohen, c'est très strict. Ils doivent bien faire attention à se marier. À l'époque, ils devaient vérifier jusqu'à 4 générations en arrière, remonter pour les parents, grands-parents. Quand ils voulaient se marier, on voulait proposer un chidour pour une rencontre pour un Kohen. Il fallait d'abord partir fouiner jusqu'à qu'on remarque, qu'on voit qui étaient les parents et qui étaient les grands-parents. Exactement, qu'on n'ait pas de doute sur la judaïcité, sur la cacheroute de cette famille, que ce n'étaient pas des mamzerim aussi, des bâtards, des enfants nés d'union interdite. Et d'accord, ça c'est pour les Kohanim. Alors la question maintenant est de savoir s'il y a une famille dans laquelle on a eu une personne qui a plein de doutes sur elle, qui s'est mélangée avec eux. Ce qu'on appelle vulgairement la almanat Issa, une veuve dans le pétrin. Et on va expliquer pourquoi exactement à partir du Parzan Roi, mais je préfère d'abord avancer toute la Mishnah. Donc la Mishnah nous enseigne que ce type de sfekot, de doutes qui sont nés sur cette personne, ne vont pas invalider cette femme à la Keuna. Elle pourra se marier. C'est ça le témoignage de Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera. Sheisak, Shira, l'étamé, ou l'étaer, ou l'arachek, ou l'karev. On expliquera après mieux les mots, bien sûr, de chaque détail qui est écrit ici. Amar Rabban Gamliel, ou Rabban Shimon ben Gamliel, il a rétorqué Rabban Gamliel, qui était le Avbedin de l'époque, et leur a dit Kibalno edutrem. Je n'ai pas de doute que ce que vous dites, j'ai reçu votre témoignage, c'est-à-dire je n'ai pas de doute que ce que vous dites est juste. C'est peut-être vrai qu'à l'époque, les rabbanim de la génération précédente ont permis une telle femme. Cependant, mais qu'est-ce qu'on peut faire que chez Gaza Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le nasi précédent, avant Rabban Gamliel, il a malgré tout décrété que Shelo Leoshiv Batedini Malkach, de ne plus avoir de batedinim qui vont
pouvoir s'installer pour décider de purifier de telles femmes, de permettre de telles femmes aux Kohanim. Pourquoi? Parce que HaKohanim Shomim Lachem Lerachek Avalo Lekarev. Car les Kohanim vous entendent pour, vous écoutent pour éloigner, mais pas pour rapprocher. Alors on explique. On va expliquer d'abord la fin. Qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai donc a décrété selon ça? Ensuite, on va remonter sur le début de la Mishnah. Comme on a dit, un Kohen ne peut se marier qu'avec une femme qui est parfaitement kshéra et vérifiée jusqu'à 4 générations. Adarba Dorot, la Mishnah dit dans Kiddushin. Vérité 4 générations, voir qui étaient les parents, les grands-parents, qui n'avaient pas là-bas de problème de kashrut, que c'était une vraie Bat Israël kshéra, qui n'avait pas de problème d'un Kohen halal, qui n'avait pas de problème de mamzer, qui n'avait pas de problème de toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir. Vérifier la kashrut de la femme avec qui ils vont se marier. C'était une chouma qu'ils avaient les Kohanim. De ce fait, les Kohanim, ils ont pris ça beaucoup plus sérieusement que ce qu'il fallait. D'abord, Chachamim ont donné un certain, ont appuyé certaines barrières qui se sont mises. Les Kohanim faisaient très attention à ne pas se mélanger avec n'importe qui, même avec des familles qui étaient a priori kshérot. Ils ont commencé à être plus mahmir. Chachamim ont validé certaines situations, d'autres situations n'ont pas validé, mais malgré tout, les Kohanim, ils ont pris sur eux d'en faire encore plus. De ce fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, tu sais quoi, à partir de maintenant, on ne va plus instaurer de bet din pour permettre Bekoar. Parce que les Kohanim, ils sont butés. On va apporter un sujet à réfléchir, à débattre dessus, est-ce qu'il est caché ou pas soul. Rien que le fait d'entrer au Bet Din pour débattre d'une question va faire que les Kohanim vont dire « Ah, il y a un problème, on ne se rapproche plus de cette famille, on n'a pas envie de rendre Pasoul inapte notre descendance, on l'écarte. » Alors que les Chachamim vont décréter que la famille elle est permise, les Kohanim, « Nagusil Sul Be'atzmam », ils ont pris l'usage d'en faire encore plus et de s'éloigner encore plus sur le moindre petit doute qu'il pourrait y avoir, sur le simple fait d'avoir posé une question sur une personne, va faire que les Kohanim vont les éloigner. De ce fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a décrété on n'instaure plus de bet-din pour permettre une femme à la kéouna. On laisse couler. Selon les rumeurs, ça se sait pas, on va demander la question discrètement au Rav, mais ça peut prendre une allure, sinon les choses, elles prennent une forme anormale. D'accord? C'est le décret qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Selon ça, alors, Rabban Gamliel ou Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit à Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Metera, c'est peut-être vrai que le statut d'une almanat issa, de cette fameuse femme qui a tellement de doutes sur elle, qu'en théorie, elle devrait être permise. Pourquoi d'abord elle devrait être permise? Parce qu'on a une grande règle. Une chose qui est cachère, qui est apte, pour la rendre inapte, il faut du sûr. Sinon, il y a une chesquette cachroute. Pour la keuna, Chachamim, on fait une certaine chouma, que malgré tout, avec un doute, on va rendre pas soul. Mais dès qu'on va avoir deux doutes, alors on va permettre. C'est ce qu'on appellera le sfek sveka. Un doute sur un doute. Peut-être que... Alors, on va parler maintenant concrètement. Comment il se présente le cas du Almanatissa? Le Barthénora va nous dire que il y avait dans une famille, il y avait trois sœurs. On sait que sur une des sœurs, on ne sait pas laquelle précisément, il y avait Sarah, Rivka et Rachel, trois sœurs, Sarah, Rivka et Rachel, on sait qu'une des sœurs s'est mariée avec un Kohen qui est Safek Halal. On ne sait pas ce qu'il est Halal ou il n'est pas Halal. Il s'est marié avec elle, maintenant. Donc il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui s'est marié avec Rachel, Sarah, Rivka, Rachel. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont mariés, un avec l'autre, d'accord? Avraham avec Sarah, Yitzhak avec Rivka, et Yaakov avec Rachel, trois frères, trois sœurs. On sait que maintenant, un des trois, Avraham, Yitzhak ou Yaakov, c'était une famille de Kohanim, c'était des Kohanim, il y en avait un sur eux qui avait un Safek Halal. Il y avait un doute sur sa mère. Est-ce qu'elle n'avait pas été violée avec un goy dans sa jeunesse avant de se marier avec son père, le Kohen? De ce fait, si toutefois elle a été violée par un goy, elle est devenue inapte à la kiouna. Donc ce fils, maintenant, c'est devenu un halal. Il est inapte à se marier avec la kiouna. Mais on ne sait même pas est-ce que c'était Avraham, Yitzhak ou Yaakov. On ne sait pas c'était lequel des trois. Mais ces trois se sont mariés avec les trois femmes. Après, les trois, ils sont niftarim. Les trois personnes, maintenant, ces trois sœurs-là, donc en fait, il y en a une qui est peut-être Asura la Kehuna. Parce que si toutefois, elle s'est mariée avec celui qui était halal, mais qu'il était peut-être réellement halal, ça fait un doute sur un doute. Peut-être qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui était amplement kasher. Et si elle s'est mariée avec quelqu'un qui avait un problème, peut-être que finalement son problème, c'était pas un vrai problème. Ça fait des sfeks feka. La question maintenant est de savoir, maintenant, ces trois veuves, est-ce qu'elles sont une... Un Kohen peut se marier avec une veuve. C'est que le Kohen Gadol qui a soit peut se marier avec une veuve. Mais un Kohen normal peut se marier avec une veuve. Il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, mais il peut se marier avec une veuve. Alors maintenant. Un Kohen, il va vouloir se marier avec cette veuve-là, avec une de ces trois veuves.
Est-ce qu'on va lui dire non, tu peux pas te marier parce qu'il y a un doute dans la famille? Sur ça, selon la loi stricte, eh ben, il y a la cheskat kashrout de la femme. Dans, quand il y a un sfek sveka, il y a tellement de doutes, il y a tellement de safek mélangé dans l'histoire, comme une pâte qui est pétrie, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Almanatissa. La loi stricte la permet, c'était leur témoignage. Elle est kshéra la keuna. Elle est amplement kshéra, au point même où on va pouvoir croire ces enfants qui vont naître de cette union pour éloigner, pour rapprocher, comme ce qu'on va expliquer ensuite. Je préfère pas tout de suite mettre le zoom dessus, pour rentrer dans tous les détails sur quoi exactement elle est kshéra. Donc, eux, ils sont venus, ils ont dit que cette femme-là, elle peut se marier à la keuna. Donc, toi, Rabban Gamliel, qui est maintenant le Avbet Din, le Nassi, on te demande de recevoir notre témoignage pour décréter que maintenant toutes les femmes qui sont Almanat Issa pourront se marier avec la Keuna. Et Rabban Gamliel leur a rétorqué, non. Je n'ai pas de doute que ce que vous témoignez est juste, que les Chachamim d'il y a 40 ans ont procédé de la sorte, ont permis une telle femme, mais malgré tout, sachez que depuis, il y a eu Rabbi Yohanan Ben Zakkai qui était le Nassi, qui a lui aussi décrété qu'on ne pourra plus être Moshiv un Bet Din, faire installer un Bet Din pour permettre des femmes pour la Keuna, parce que de toute façon les Kohanim, dès qu'on va entrer au Bet Din, on va commencer à parler d'un certain problème sur Plonit, sur la fameuse Rivka, est-ce qu'elle a un problème ou pas, alors que vous allez décréter qu'avec Shira, les Kohanim vont l'éloigner. Ça va faire plus de problèmes que si on ne recevait pas. Alors on préfère laisser les choses telles quelles. Si toutefois le psak alacha, on n'a qu'à dire d'abord la fin de Barthénora qui nous rapporte le psak alacha, ça se passe comme ça. Behemet, Ashalmanatisa, Asura leinase la keuna lechatrila. A priori, elle ne doit pas se marier avec un Kohen. Ouais, on va laisser la chose telle quelle, parce que pour le moment, on ne peut pas recevoir le témoignage. Mais Vehimniset, l'autre, c'est malgré tout, si elle s'est mariée, on pourra la permettre et on fera en sorte de ne pas faire courir le bruit qu'elle est devenue Asura. D'accord? Ça, c'était pour la Mishnah. Maintenant, concrètement, le cas, donc le cas, on l'a bien expliqué, on n'a qu'à le faire très rapidement dans Barthénora, la Mishnah n'est pas très longue, on n'a qu'à le faire. Almanatis, Albartonor, il explique. Mishpacha achat, une famille, Shinitarev ba safek halal, qui a eu un safek halal qui s'est mélangé dans cette famille. Un mari qui s'est marié avec une des trois sœurs, on ne sait pas avec laquelle des sœurs c'était le mari problématique. Kol echad mi bnei mishpacha, mishpacha safek imuoto safek Shinitarev ba enal imlav. Chacune des sœurs maintenant a le doute, peut-être que finalement c'est elle qui a eu le mari qui a eu un problème. Veisha niset lechad mi bnei otam mishpacha, maintenant on ne va pas trop allonger. D'accord? Et après, on va. Donc, le partenariat allonge pour expliquer que c'est avec ce cas, ça va faire trop long, je préfère pas finalement. On a lu l'idée. Ok? Maintenant, que signifie la Mishnah chez Aïssa, la phrase chez Aïssa, kshera, l'étamé ou l'étaher, l'érachek ou le karev? Qu'est-ce que ça signifie qu'une femme qui a des doutes sur elle, une Issa, une Almanat Issa, qui a des doutes, qu'elle est kshera pour rendre impur ou pour rendre pur, pour éloigner ou pour approcher? Alors, le Barthénora explique. Plusieurs interprétations, en fait, tout simplement que ça implique deux choses. Elle est kshéra pour la keuna, et pire que ça, imaginez maintenant que ce fils veut se marier avec une femme qui a un certain problème. Son père, il est en fait halal. Il veut se marier avec elle. Est-ce qu'il va se marier avec une halala ou non? Alors sur ça, on va lui dire, sache que tu es entièrement kasher pour les bonnes choses, c'est-à-dire, tu pourras toi te marier avec une keuna, avec un Kohen, mais tu n'auras pas non plus le droit de te marier avec quelqu'un qui a un doute sur sa kashrout, parce que tu es un Kohen à part entière. Comme ça, le Barthénora explique, chez Kshéra, les Tamé ou les Taher, les Rachek ou le Karev, c'est la même chose en fait. Les Tamé ou les Taher et les Rachek et le Karev. Pour rendre impur une personne, lui dire que non, tu n'es pas apte, les Tamé pour rendre impur, pour éloigner, donc je ne veux pas marier avec toi, ou pour approcher. Tout ça, tu me rapporte que non, en fait, les Tamé ou les Taher, c'est pour témoigner qu'ils sont telle famille et mamzer, ou telle famille, elle est kshéra, et les rachek, elle karev, on parle en réalité de témoigner, ils sont aptes. Il y a une grande règle, que quelqu'un qui est noga, badava, kola posel, bemomo posel. Si quelqu'un a un problème de mamzer, il y a des doutes sur le qu'il est mamzer, il aurait une tendance à vouloir dire que tout le monde est mamzer. Kola posel, bemomo posel, ça va ramener dans la Gemara dans Kiddushin. Tout celui qui est inapte, il va dire que tout le monde a le même problème. De manière générale, quand il y a des familles qui s'insultent, ouais, vous êtes une famille comme ça, mais il faut savoir, s'ils sont capables de salir quelqu'un en disant qu'ils sont comme ça, c'est que peut-être qu'il y a ce problème qui se trouve chez eux. C'est comme ça que la Mara apporte. Quand il y avait une dispute en Babel, celui le premier qui se taisait, c'était le signe qu'il a été de famille beaucoup plus noble que l'autre qui avait peut-être des problèmes d'enfants pas propres. D'accord? C'était une notion générale. De ce fait, la Mishnah maintenant vient nous enseigne que on aurait pu croire qu'une famille... Comme ça, le Tivrat Tissol, il explique bien.
une famille qui est issue d'une almana d'Issa, ils auront tendance, peut-être, trop facilement à dire que tout le monde a des problèmes de kashrout, que telle famille de Kohen, c'est pas en fait des vrais Kohanim, c'est des halalim. Alors sur ça, la Mishnah nous enseigne, non, sache qu'ils sont amplement crus parce qu'ils sont amplement kachers, il n'y a aucun doute sur eux. On a fini la Mishnah, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Moadim Simcha, Kol Tov U'Seala.